15 septembre 1935. Il y a à peine un an qu'Adolf Hitler est en possession de la totalité des pouvoirs en Allemagne. À Nuremberg, le congrès du parti nazi est baptisé « Triomphe de la volonté ». « Quoi que tu ordonnes, ô Führer, nous l'accomplirons », psalmodient des dizaines de milliers de nazis rassemblés. « Le fanatisme est la seule forme de volonté qui puisse être insufflée aux faibles et aux timides », écrivait Friedrich Nietzsche. Le hurlement remplace désormais la parole, le verbe aboie et raide. Deutschen Exil, Reinheit, seine Rasse hält, Deutschland!